L'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo actu. Cette fois-ci, on va parler de Booba et SCH parce que là, j'ai vraiment une excuse. Bro, je t'explique. Il y a Booba qui est passé sur la chaîne Combini et tu vois, il lui passait un genre de petit truc vidéo où il mettait des têtes de visage de rappeur, tu vois. Et en gros, Booba, bah, il devait juste faire un signe du genre oui, non, mouais, nanana, tu vois. Et bref, et c'est tombé sur l'affiche de SCH. Il a fait une petite tête qui a déplu à beaucoup de fans, tu vois, qu'il y a beaucoup de fans qui ont pensé que c'était un clash. Moi, personnellement, je l'ai pas pris pour un clash, t'as vu. Je me suis dit, c'est encore un petit pic à la Booba, mais c'est pas vraiment un clash, tu vois. C'est pas vraiment visé, on va dire. Après ça, c'est que mon avis, mais on va voir juste le passage pour comprendre et on voit ça juste après. Allez, je te parle d'un truc. Du truc. Toi! Si vous me sortez la fouine, vous êtes de ces grands tricheurs. Ah. Allez, je te parle d'un truc. Du truc. Ah là là, bon l'équipe, pour moi personnellement, comme je l'ai dit, t'as pu le voir dans le passage, là, Booba, il a pas vraiment clashé SCH. Après, c'est vrai qu'il a fait une petite tête du genre, ouais, voilà, t'as vu, bof. Mais voilà, c'est pas comme s'il le clashait. Après, il donne simplement son avis. On lui met une photo, on lui dit de donner son avis. Il est sincère, il donne son avis. Après, je suis sûr que Booba, il est pas tellement sincère dans le fond, t'as vu. Puisque je suis sûr que lui-même, il écoute des sons de SCH et qu'il y a des sons qu'il a lui-même kiffé, etc. C'est simplement de la rancœur. Je pense que lui-même, il a voulu un featuring avec SCH. Je pense que ça a été refusé du côté de SCH. On sait que SCH, etc., il y a des problèmes avec la crime, tu vois. Donc moi, je pense que, ben, tu vois, c'est ça qui a fait que SCH, il a pas fait de featuring avec Booba. Après, c'est que mon avis, t'as vu. Je sais pas si vraiment c'est vrai ou pas, tu vois. Mais c'est que des bruits de son, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je vous donne simplement ce que j'ai entendu et ce que je sais sur cette affaire-là. N'hésitez pas à me donner, vous, votre avis dans les commentaires. C'est justement pour ça que je tourne toutes ces vidéos actuelles. Comme ça, on peut en débattre dans les commentaires. Oui, hier, l'équipe, j'ai bugué dans ma vidéo un truc de ouf. Mais en fait, je t'explique, tu vois. Par moment, il y a des moments où je bug. En fait, je suis en improvisation, j'ai pas de texte, tu vois ce que je veux dire. Par moment, ça m'arrive de bugger dans ma vidéo. Et donc, je vais reprendre juste après, comme là, tu vois. J'ai par exemple faire un blanc. Et ensuite, je vais faire un coupage. Et ensuite, je vais reprendre, tu vois. Mais j'ai oublié de faire le coupage. Donc voilà, c'est pour ça que dans la vidéo d'hier, on me trouve en train de faire un putain de blocage chelou. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas compris. Il y en a d'autres qui se sont tapés un petit fou rire. C'est pas grave. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on la laisse la vidéo. On la laisse comme ça. Au moins, c'est naturel. Vous voyez vraiment comment je suis de base, t'as vu. J'ai rien à vous cacher, en fait. Donc voilà. Bref, sinon, j'ai rien d'autre à rajouter. Laissez un petit pouce bleu. Ça, c'est pour soutien et le référencement. Tu me dis ce que t'en penses dans les commentaires entre le clash de SCH et Booba. Dis-moi pour quitter. Tiens, justement, dans les commentaires, on peut se faire une putain de bataille dans les commentaires entre la team SCH et la team Booba. Moi personnellement, t'as vu, je suis plus du côté des SCH en ce moment, mais c'est vrai qu'à l'ancienne, bah, t'as vu, au nombre d'années sur dans le rap, tu vois, on va dire Booba il est gagnant, mais SCH dernièrement il est trop chaud. Voilà, bref, j'ai failli bugger, je vais arrêter la vidéo là. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires et qu'on se fasse une putain de bataille, l'équipe. Et au passage, pour ceux qui veulent mon code créateur, je tiens à le répéter, c'est Fico TV tout simplement, pour ceux qui jouent à Fortnite, etc., tu vois, qui veulent se faire des mondes et tout, tu vois, eux-mêmes jouent avec leur communauté, et ben vous tapez Fico TV dans le code créateur, je sais pas comment ça se passe, t'as vu vraiment, mais bon, dans pas longtemps, je vais reprendre les lives, donc voilà, n'hésitez pas à taper mon code créateur, m'ajouter surtout sur la paye pour ceux qui veulent faire des parties justement ensemble, on les fera en live cette fois-ci, je vais tout faire en live, accepter les demandes, etc., tu vois, mais il faudra qu'on discute ensemble, tu vois, juste avant, comme ça, je sais qui viennent, etc. Enfin, bref, t'as compris le délire, sinon, j'ai rien d'autre à rajouter, l'équipe, je te dis à soir pour une nouvelle ligne consciente, une nouvelle vidéo, une nouvelle exclu, et j'ai trois petites canettes Choupa Choups, t'as vu, c'est des boissons en fait de la marque Choupa Choups carrément. En fait, je vais les tester en vidéo. Je sais pas si jamais ça vous intéresse. Est-ce que je le fais sur Snapchat ou alors je le fais sur une vidéo YouTube directement? Je peux vous la publier ce soir, comme ça c'est réglé. Dites-moi dans les commentaires aussi si ça vous intéresse. Et puis voilà, bref, l'équipe, peace. J'arrête de vous casser les couilles.